si tu veux, tu commences par présenter, puisque j'ai parlé avec LH, puis je prendrai le relais. Oui, bah alors un petit mot rapide à tous. Bonjour à tous. Donc moi c'est Olivier Perrault. Je suis psychologue et je fais des formations à l'hypnose et donc je dirige l'AFNH, l'Association française de la nouvelle hypnose. Et donc on travaille en collaboration avec plein de monde et entre autres avec Tania sur Annecy avec une formation qui est déjà complète et qui va démarrer à la fin du mois d'octobre. Voilà pour dire quelques mots. Ok, très bien. Ben, je vais prendre le relais alors. Donc, bonjour, moi c'est Tania Lafort, je suis donc responsable de l'AFNH Annecy et aussi responsable d'un centre de PNL, de formation en PNL. Et donc, l'idée aujourd'hui, ça va être de vous présenter justement un cursus PNL, de vous expliquer en quoi la PNL est intéressante en lien avec l'hypnose, et puis de vous montrer ce qui a été organisé en distanciel, voire en présentiel, pour, voilà, pour compléter ce que vous savez déjà faire en hypnose. Voilà. Donc, je vais commencer à partager mon écran. Voilà. Ouf. Voilà. Donc, normalement, vous voyez mon écran. C'est tout bon, Olivier? Oui, je confirme. On voit ton écran. Ouais. OK. Je voulais commencer par présenter l'AFNH. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui sont déjà de l'AFNH, mais il y en a peut-être d'autres qui viennent d'ailleurs. Et d'ailleurs, je vais lancer un petit sondage pour savoir qui vient d'ailleurs. Voilà. Hop. Et donc, voilà, je voulais simplement présenter un peu l'AFNH, donc l'Association française de nouvelle hypnose. Et donc, vous avez, si vous connaissez déjà Olivier, vous connaissez donc l'AFNH Paris. Je suis responsable de l'AFNH Annecy. Et puis, vous avez de l'AFNH partout, sur Bruxelles, sur Marseille, sur Toulouse. Est-ce que j'ai oublié quelque chose, Olivier? Non, c'est bon? On va démarrer des formations à Bordeaux. Là, on a lancé deux formations à Bordeaux. C'est tout nouveau, tout récent. OK, voilà. Donc, Bordeaux, en face de toi, là, en face d'Annecy. Ah, bah, tout à fait. Donc, en fait, voilà, les formations AFNH sur toute la France. Au niveau de Réactive, donc, c'est un centre de formation réactive qui existe depuis 12 ans. C'est un centre de formation certifié avec tout ce qui va bien, les notions Calliope, etc., qualité, ce qui permet d'avoir des prises en charge plus facilement. Et donc, qui suis-je hein, pour intervenir aujourd'hui et pour vous présenter cette formation? Eh bien, à la base, je suis infirmière et puis enseignante en PNL et en hypnose. J'ai rencontré la PNL il y a très longtemps quand j'avais 20 ans. Je vous interdis de me demander mon âge. Et donc, je suis thérapeute aussi en TCC. Je me suis formée à beaucoup de pratiques, l'HTSMA, c'est une version de l'EMDR, la cohérence cardiaque et beaucoup d'autres choses. Voilà. Et donc, j'exerce aujourd'hui en cabinet et je donne des formations pour, avec Olivier donc sur la FNH et pour des formations certifiantes en PNL et autres. Voilà, voilà. Alors, quels sont les liens entre la PNL et l'hypnose? Alors, je ne sais pas ce que vous connaissez ou pas de la PNL. Est-ce que mon sondage est parti? Parce que je n'ai pas l'impression qu'il soit... Ah, si, c'est bon. Si, il y a de gens participer déjà. Ah, c'est OK. Donc, il y a beaucoup d'entre vous qui connaissent la PNL, certains non. Il y a une partie des personnes qui sont de la FNH, d'autres écoles. Très intéressant. Merci d'avoir répondu à ce sondage. Je laisse en cours, comme ça, si des personnes arrivent. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas la PNL, pour ceux qui connaissent, ça va être un rappel, quoiqu'on ne le présente pas toujours de la même manière. Donc, la PNL veut dire programmation neuro-linguistique. Ça veut dire que, pour faire très simple, on va considérer qu'on est programmé dans des automatismes, qui sont souvent, bien sûr, inconscients, et que dans nos comportements, on est programmé. Je donne souvent un exemple. J'ai souvent imaginé, je suis petite fille, et puis, pas de bol, le jour où je raconte ma poésie, je fais pipi-culotte, et puis pas de chance, tous mes copains, bien entendu, sourient, ça les fait rire, je me sens humiliée, j'oublie cette expérience, et puis un jour, bah, je suis manager, et quand je veux parler en public, je ne sais pas pourquoi, j'ai un nœud à l'estomac et je ne me sens pas bien, c'est des choses que vous connaissez très bien en hypnose, eh bien, on va dire que je suis programmée quelque part dans certains comportements, vis-à-vis de mon éducation, par rapport à mes expériences, et surtout de l'interprétation, est-ce que j'ai fait de mes expériences. Neuro, parce que ça passe par les cinq sens et le cerveau.
système nerveux central, et linguistique, parce que les informations décodées repassent par le langage, et on va voir en PNL que le langage est important. Un mot ne veut pas dire toujours la même chose pour tout le monde, et qu'un mot, c'est beaucoup plus qu'un mot, c'est une expérience interne. D'où la pratique de la reformulation dans certaines pratiques, et ce que vous faites aussi en hypnose. C'est une approche pragmatique, c'est de la psychologie appliquée quelque part, et l'idée de la PNL à la base, c'était d'observer les savoir-faire et les savoir-être de gens talentueux pour pouvoir les transmettre et faire quelque part aussi bien qu'eux, si j'ose m'exprimer ainsi. Les deux personnes qui ont initié la PNL, que vous voyez ici, John Grinder, linguiste, et Richard Bandler, qui à l'époque était étudiant en quatrième année de psychologie, passionné par les mathématiques et l'informatique, comme ça vous comprenez bien programmation neurolinguistique. Je ne sais pas si c'était une bonne idée d'ailleurs de l'appeler comme ça, parce qu'il faut déjà une demi-heure pour expliquer ce que c'est, et aussi psychothérapeute. Et c'est, donc Bandler et Grinder ont voulu observer à la base des modèles pour étudier leur façon de faire. Et donc parmi les modèles qu'ils ont étudiés, eh bien, on a bien sûr Milton Erickson que vous voyez ici, Fried Perls avec la Gestalt thérapie, Virginia Satir avec la thérapie familiale et tous ces noms. Donc, quand on parle de PNL, on parle de noms bien connus avec Alfred Korzyski, Gregory Bateson, Paul Vaslavich, Noam Chomsky, sur qui ils se sont appuyés pour la grammaire transformationnelle. Et donc, ils ont observé un certain nombre de personnes et l'idée, c'était de modéliser. La base de la PNL, c'est de savoir modéliser. Modéliser, ça veut dire observer et être capable de décoder comment fonctionnent les gens et de pouvoir reproduire. Et donc, l'avantage de tout ça, c'est qu'on a des modèles qui sont reproductibles. Et comme il y a beaucoup d'éléments qui sont nés de l'observation de Milton Erickson, qui a beaucoup influencé tout ce qui était thérapie brève, etc., et bien sûr, dans les outils de PNL, on a beaucoup de protocoles qui sont très hypnotiques, d'où le lien. Juste un petit peu d'histoire très rapidement. 73, la rencontre entre Bandler et Grinder. 74, vous avez très rapidement la rencontre avec Milton Erickson. Et puis ensuite, la création de la PNL avec le métamodèle qui est la structure. Le premier livre a été La structure de la magie de Bandler. Modélisation de la structure du. Ensuite, on a observé d'abord la structure du langage avec le métamodèle qui est le langage du précis. Puis, on a observé des thérapeutes, dont Milton Erickson. Et puis, voilà, on a modélisé ensuite des façons de faire dans différents domaines. On est allé voir, observer aussi les gens qui réussissent dans d'autres domaines. C'est pour ça que la PNL est parfois connue dans les milieux commerciaux et autres, puisqu'on a étudié qu'est-ce qui fait que ça fonctionne. En 1976, le nom de la PNL. On a aussi la notion de sous-modalité. Les sous-modalités, c'est des choses qu'on va utiliser quand vous faites de la réification en hypnose, notamment sur la douleur. On va jouer avec les formes, etc. Des formations certifiantes, le début des formations en PNL en France en 83, les niveaux logiques de Robert Diels, dont je reviendrai, et d'autres, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais bref, la PNL n'est pas récente. Et ça, surtout, c'est la phrase que je voulais vous montrer. Dans le livre, justement, « La structure de la magie », vous avez le témoignage de Milton Erickson qui vous dit « Bien que ce livre de Richard Bandler et John Grinder soit loin d'être une description complète de ma méthodologie, c'est une bien meilleure explication de la manière dont moi je travaille que celle que je pourrais moi-même fournir. Je sais ce que je fais et expliquer comment je le fais est beaucoup trop difficile pour moi. » Donc, voyez un petit peu l'intérêt. Ils ont observé comment est-ce qu'ils ont fait. Pour la Gestalt, ils ont observé des vidéos, puisque Pearl s'était déjà décédé. Et pour Milton Erickson, parfois, ils ont observé des vidéos ou ils ont observé aussi des thérapeutes à travers des vitres teintées pour observer comment ils fonctionnaient et décoder avec des modèles de PNL. Du coup, aujourd'hui, où est-ce qu'on en est avec la PNL? Eh bien, en France, on a des formations certifiantes où on fait de la PNL pure, sachant que dans la PNL pure, on a des techniques très hypnotiques. On a des techniques comme, par exemple, la réempreinte ou la restructuration des histoires de vie. C'est très proche des scénarios réparateurs qu'on peut faire. On a pas mal de choses, je vais vous en parler. On a des formations en hypnose ericksonienne certifiante, pure. C'est le cas de la FNH. Et puis, il existe aussi des formations, alors je ne sais pas de quelles écoles vous venez, mais des formations comme l'Arche, comme l'IFHE, où la formation hypnose est quand même très orientée PNL. C'est-à-dire qu'à l'intérieur, alors
D'ailleurs, après avoir discuté avec certaines personnes, certains savent que c'est de la PNL, d'autres pas. Et donc, en tout cas, ces formations sont très orientées PNL. On voit très bien quand on voit les vidéos. Donc, la PNL en général, c'est nous, notre certification fait partie d'un bloc de compétences qui est un bloc de coach professionnel. Et là, vous voyez les premiers niveaux de PNL. Et le cursus complet, quand on veut faire base, tech, prat et maître prat, c'est 50 jours. Et en plus, il faut faire des jours de personnes ressources. Ça veut dire que 60 jours pour être certifié maître praticien en PNL. Donc, autant dire que ça prend du temps et c'est bien pour ça que j'ai créé aussi cette formation pour vous. Je vais continuer. Donc, pourquoi cette formation en pratique? Bah, par l'expérience terrain, simplement, puisque animant les formations avec Olivier pour la FNH, eh bien, je me rends compte qu'il y a des questions parfois. Et puis parfois, les personnes, quand vous commencez les formations, vous savez mettre quelqu'un en hypnose, on sait faire des inductions, on sait suivre, etc. Puis parfois, on manque un petit peu de choses au milieu pour agrémenter, de stratégie, etc. J'ai aussi donc le centre de formation de PNL et puis les retours. On a fait plusieurs stages avec Olivier. Donc, on a fait hypnose et PNL en présentiel à Paris, à Toulouse, à Annecy, à Bruxelles aussi. Et les retours des personnes étaient très positifs. Et donc, et par contre, à chaque fois, ils avaient l'impression ils étaient super contents et ils en voulaient plus. Et donc, vous avez vu le temps du cursus de PNL, 50 jours, c'est beaucoup. On ne peut pas faire 50 jours de formation, ça vous ferait une formation complète. Bon, c'est possible, hein, si vous avez le temps et l'envie, vous êtes les bienvenus, bien entendu. Mais l'idée, je me suis dit, mais alors tous ces gens qui ont investi sur l'hypnose, pourquoi? Vous savez déjà mettre des gens en hypnose, vous savez faire des inductions hypnotiques. Alors pourquoi est-ce que on ne ferait pas des formations PNL en distance en vous expliquant les protocoles, en vous expliquant le pourquoi des comment, en vous expliquant certaines grilles avec des démonstrations de façon à ce que plutôt que passer 40 jours ou 50 jours de formation, eh bien vous avez à disposition tous les protocoles au rythme où vous le souhaitez. Ça vous permet de gagner du temps et c'est plus accessible aussi, bien entendu, au niveau tarif puisque vous passez moins de temps. Oui. Je te coupe juste 30 secondes, Tania, parce que pour nous, c'est une évidence, mais ce n'est peut-être pas clair pour tout le monde. Donc, en fait, là, vous avez trois niveaux de réponse. Il y a le webinaire de ce soir, une heure et demie, où on va répondre à vos questions pour vous montrer rapidement l'intérêt de la PNL pour les gens qui pratiquent l'hypnose ou les thérapeutes d'une manière générale. Et puis après, si vous voulez en savoir plus, vous avez une formation en présentiel sur 2 jours qui vient, par exemple, à Paris la prochaine, les 16 et 17 octobre. Et puis, si vous voulez vraiment en savoir plus, Tania propose donc une formation en distanciel qui vous représente, je pense, une dizaine de jours de boulot, une dizaine de jours de formation. Et donc, voilà, vous avez ces trois niveaux de réponse. Là, 1 heure pour savoir ce que c'est, 2 jours en présentiel pour en savoir encore beaucoup plus et pratiquer. Et puis, la formation, je dirais, longue, 10 jours en distanciel. Donc, voilà, c'est aussi de cette formation dont tu parles maintenant pour que ce soit Absolument. clair pour tout Oui, le monde. tout à fait, merci. Je te laisse reprendre la main. Ok, je repartage du coup mon écran. Hop là. Est-ce que c'est toujours plus facile avec des images? Je pense. Donc voilà, ben voilà, Olivier vous a très bien expliqué. Donc cette formation est vraiment venue, je dirais, de l'expérience terrain et de vos demandes. En plus, moi je suis passionnée par ce que je fais, donc j'adore partager et je trouve que c'est vraiment un outil qui aide beaucoup. Il y a une boîte à outils en fait que vous allez pouvoir mettre dans vos séances. Alors, donc je l'ai dit, vous savez pratiquer des inductions, des subtilités de langage, la ratification, la rétroaction, toutes ces choses, vous savez faire. Donc, je n'ai pas besoin de vous apprendre ça, vous savez bien faire tout ça. Donc, du coup, les objectifs, c'est de faire les liens entre PNL et l'hypnose, de vous enseigner uniquement les protocoles hypnotiques utiles à votre pratique, parce que dans la PNL, on a beaucoup d'outils cerveau gauche et des outils plus hypnotiques. Et là, l'idée, c'est que j'ai sélectionné. Oui, sur un cursus de 50 jours, je suis allée sélectionner ce que je pense qui peut vous être utile. Donc, on a des outils de questionnement pour faire une anamnèse, pour réfléchir à une stratégie d'intervention. On a des outils aussi, un tas de protocoles très hypnotiques qui permettent, qui vont vous, qui, que vous pourrez utiliser en fonction de vos besoins. L'idée, c'est de faire gagner du temps et c'est de bénéficier d'une formation complète, complètement à votre rythme, en fait, et de définir des stratégies. Voilà. Alors,
Qu'est-ce qui est intéressant en lien avec l'accompagnement avec l'hypnose? Eh bien, on a des modèles de questionnement que je vous ai mis. Donc, ça veut dire que vous allez pouvoir questionner, faire une anamnèse avec des outils de PNL qui sont très intéressants. On a aussi des modèles issus des niveaux logiques. Les niveaux logiques, c'est une grille de lecture qui a été mise au point par Robert Diels. Je vais vous en dire plus. Et on va beaucoup utiliser les niveaux logiques ou dans les accompagnements hypnose ou pour aller choisir finalement l'outil PNL ou autre hein, qui sera intéressant en fonction de la grille de lecture. Je vous en dirai plus juste après. Et puis des protocoles issus des grands thérapeutes. On a par exemple la négociation des parties, le swatch visuel, on a les mains qui se rapprochent, issues, je pense, de la technique de Rossi. On a la restructuration des histoires de vie, très proche des scénarios réparateurs, et un tas d'autres outils qui sont, eux, très, très hypnotiques, qui ne sont pas des outils cerveau-gauche, mais plutôt des outils hypnotiques. Voilà. Donc j'ai sélectionné à l'intérieur de tout ça un certain nombre de choses qui, je pense, sont très utiles. Et d'ailleurs, quand on est allé à Marseille la dernière fois avec Olivier, j'ai revu des stagiaires qui avaient fait la formation PNL en présentiel et ils utilisent leurs outils dans leur pratique. Ça leur a été très utile. J'en étais ravie d'ailleurs. Donc le programme, comment ça s'organise? Donc là, je vous parle de la formation en ligne, en distanciel. Dans la formation en présentiel, on va voir qu'est-ce que la PNL. En général, je parle des niveaux logiques et vous avez des outils sur les niveaux logiques. Je parle souvent de la négociation des parties, du swatch visuel, c'est des outils où on va utiliser aussi les mains, etc. Et d'une certaine grille de questionnement. Dans la formation, donc là, vous pratiquez, vous expérimentez, vous travaillez aussi sur vous d'ailleurs. Et dans le programme en ligne, là, on va bien sûr beaucoup plus loin puisque il y a plus de temps. On a un organisé en trois modules. Le module 1, pour questionner et définir une stratégie. Le module 2, pour avoir des outils pratiques que j'ai appelés de premier niveau. Et le module 3, qui sont des protocoles hypnotiques beaucoup plus avancés, qui vont vous permettre d'accompagner vos patients. Voilà. Alors, peut-être plutôt qu'aller comme ça, je vais peut-être détailler. Je vais essayer de partager mon écran. Ce sera peut-être plus facile. Attendez, je réfléchis à la façon de faire. Bon, ouais, je vais le faire comme ça. Donc, dans le niveau 1, vous avez les notions de base de la PNL, la posture en PNL. Vous avez ce qu'on appelle l'état présent, l'état désiré, c'est où en est la personne aujourd'hui et où est-ce qu'elle veut aller. Donc, c'est la clarification d'objectifs. Et ça, c'est un questionnement stratégique. Et comme la PNL est issue de beaucoup de stratégies brèves, ben vous avez effectivement un questionnement stratégique et l'anamnèse est déjà un travail sur la personne. Parce que simplement avec les questionnements orientés solutions, pour ceux qu'on fait par exemple avec Paris-Kessin-Cavier, thérapie orientée solution, on retrouve ce même type de questionnement. Mais pas que solution, parce que là, on va aussi creuser le problème. C'est l'approche de la PNL. Et donc, on va questionner de façon stratégique pour bien comprendre la personne. Il y a déjà un travail qui se fait pendant l'anamnèse pour clarifier un objectif. Et on va voir comment est-ce qu'on met un objectif atteignable avec des indicateurs pour la personne. On aura une technique qui s'appelle le score état présent, état désiré. Le score peut se faire de différentes manières. On peut le faire, par exemple, avec des ancrages spatiaux. Le S veut dire situation ou symptôme. Le C veut dire cause. Le O, objectif, le R, ressources et le E, effet. Et en fait, on peut, en étant debout, parfois en étant un petit peu hypnotique, parfois en sortant de cet état, aller faire réfléchir la personne sur la situation tout en posant des questions stratégiques. Quel est le problème? En quoi c'est un problème? Qu'est-ce qui fait que le problème perdure? Quand est-ce que le problème n'existe pas? Qu'est-ce que vous avez déjà fait pour essayer de résoudre ça? Dans ce que vous avez fait, qu'est-ce qui fonctionne? Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? Est-ce qu'il y a une partie de vous qui aurait intérêt à faire en sorte que la situation reste comme ça? Qu'est-ce qui fait que vous n'avez pas encore changé? Alors, si vous faites ce genre de questionnement, vous reconnaissez forcément des choses issues des thérapies brèves, issues des thérapies orientées solutions, etc. Et donc, la recherche de déception, tout ça fait partie du score. On va aussi aller donc questionner les ressources, on va aller voir, nous, dans les ressources, quel outil, en tant qu'hypnothérapeute, on va pouvoir utiliser pour aller aider la personne pour aller vers son objectif. On va clarifier ce que veut la personne et on va aller poser des indicateurs
pour être sûr que la personne atteigne son objectif. Moi, je sais que j'utilise aussi la question miracle dans tout ça. La question miracle que vous connaissez peut-être de Steve DeShazer. Imaginez que votre problème est réglé. Vous dormez cette nuit, vous sortez du cabinet, vous vous réveillez le matin. La nuit, un miracle s'est produit. Et par contre, votre problème est réglé, mais vous ne le savez pas. Vous ne savez pas que le miracle s'est produit. Concrètement, dans la journée, à quoi vous allez voir, quels sont les indicateurs, quoi vous allez voir concrètement que le problème est réglé. Et là, ça va nous donner des éléments concrets qu'on va pouvoir utiliser par la suite pour donner des indicateurs de ce que veut la personne et aussi clarifier ce qu'elle veut. Parce que aller mieux, par exemple, pour certaines personnes, aller mieux, oui, mais ça, pas même d'ailleurs, qu'est-ce que ça veut dire aller mieux? Voilà, donc ça vous donne des idées pour vous dire un petit peu le type de questionnement. On va aussi comprendre les niveaux logiques, je vous en parlerai tout à l'heure, pour identifier le niveau de la problématique et quel outil, quel protocole je vais pouvoir utiliser pour accompagner la personne. Et on va questionner avec le métamodèle. Le métamodèle, c'est un langage c'est un questionnement très précis pour lever les interprétations des personnes, lever les freins, les omissions, les distorsions. Et d'ailleurs, le métamodèle est utilisé par Jean Dupré quand il travaille en conversationnel pour faire quelque part une rupture de pattern et placer une suggestion à l'intérieur, parce que les questions qu'on pose, elles font claque dans la tête de la personne. Et à ce moment où on ne leur a jamais posé ce type de question, c'est le moment de placer effectivement une suggestion, et c'est une façon aussi de faire du conversationnel. Donc voilà pour le questionnement. Pour les outils de premier niveau, on va faire l'ancrage de ressources. Comment retrouver un état interne positif à un moment? Je pense que ça, au niveau de l'hypnose, souvent, vous savez déjà faire. On va voir aussi une technique qui s'appelle la désactivation d'encre. Désactivation d'encre, c'est j'ai un ancrage sur quelque chose de négatif. Depuis que j'ai eu un accident, à chaque fois que je croise une voiture, je ne me sens pas bien. Eh bien, j'ai une technique qui va me permettre, en 20 minutes, de changer ça. Et ça marche très, très bien. C'est très efficace. Préparation mentale, pour se préparer à un examen, pour se préparer à une compétition. On va parler des canaux sensoriels avec le VACOG que vous connaissez, un visuel, auditif, kinesthésique, je ne peux pas ces détails. Et on va utiliser le VACOG dans nos accompagnements. Les submodalités qui vont nous être utiles. Les submodalités, c'est quand j'ai une image, et une image ou un bruit, et je vais détailler, c'est-à-dire je vais jouer avec l'image, comme vous le faites dans la réification quand on travaille sur la douleur. La douleur, elle est comment? Si elle avait une couleur, si elle avait une taille, je vais diminuer la taille, je vais diminuer. Donc là, on a des protocoles différents, un bas qui travaille avec les sous-modalités. Donc vous voyez, il y a des choses. Je vous ai ajouté le protocole de Teresa Robles parce que je trouve qu'il est très intéressant. C'est vraiment un protocole pour le coup qui est tout terrain, où justement on travaille avec les sous-modalités. Donc Teresa Robles qui dirige l'Institut Milton-Erickson de Mexico, une grande dame, je pense que certains connaissent peut-être. Pas tout le monde, en tout cas, elle est à connaître, ça c'est sûr. On va parler de la notion des valeurs et on va faire des exercices. Alors, un exercice qui a beaucoup plu quand je le fais en présentiel aussi, qui s'appelle le chemin de vie. Vous avez des ancrages au sol, travailler avec les valeurs, un exercice qui est fait sur le principe de douleur-plaisir. Je projette la personne dans l'instant et dans son futur avec un certain comportement. En lien avec ses valeurs, et d'un autre côté, sur une autre ligne du temps, on va projeter la personne de la même manière, mais avec un comportement adapté, un côté inadapté, un côté adapté, et la personne va ressentir des choses. Et l'idée, c'est que le cerveau travaille douleur-plaisir. Naturellement, je recherche le plaisir, j'évite la douleur, et tout ça, c'est vraiment des techniques sur lesquelles il y a vraiment des changements, des prises de conscience pour les autres. Et je vous explique dans cette formation. Comment aussi, moi, j'ai un petit peu changé ces techniques pour les adapter dans d'autres domaines, notamment l'arrêt du tabac ou dans les comportements alimentaires, ce genre de choses, puisqu'on peut tout à fait marier tout ça. L'idée, moi, de ce que je vous enseigne dans cette formation, c'est je vous donne des outils, je vous explique, et ce qui m'intéresse, ce n'est pas des protocoles, puisque la personne est toujours plus importante que le protocole, c'est qu'on comprenne pourquoi le protocole fonctionne et qu'après, vous l'adaptiez et vous en fassiez. Quelque chose en relation avec la personne, avec le patient. Donc, les niveaux logiques qu'on va pouvoir intégrer à toutes les séances d'hypnose, on va parler de l'environnement, du comportement, mais je vais revenir tout à l'heure dessus. Les métaprogrammes qui sont
pas un profil de personnalité, mais des patterns de fonctionnement. Vous avez par exemple des gens qui sont évités d'eux. Ils vont être motivés à passer à l'action pour éviter quelque chose, et d'autres personnes qui vont passer à l'action pour obtenir quelque chose. Ce sont des systèmes de fonctionnement différents. Par exemple, je donne souvent un exemple. Si une personne va vouloir acheter une maison à côté de l'école maternelle parce qu'elle veut gagner du temps le matin, et puis l'autre va vouloir acheter la même maison parce qu'elle veut éviter de perdre du temps le matin. Et vous voyez, il y a un langage à l'intérieur du langage. Et le vecteur de motivation ne va pas être le même. Et on va pouvoir repérer, grâce au métaprogramme, la motivation des personnes. Ça va aussi nous aider à choisir la technique hypnotique qu'on peut utiliser. Et puis, on va pouvoir co comprendre un petit peu comment la personne fonctionne. Si je comprends son pattern, comment elle fonctionne, eh bien, je vais pouvoir, dans ma séance d'hypnose, inverser les métaprogrammes pour que la personne aille vers... Ça peut être un levier de changement, par exemple. Donc, ensuite, on a le module 3 avec des protocoles plus avancés. La fertilisation des niveaux croisés des niveaux logiques, c'est pour dépasser des freins au changement. On va aller chercher des ressources sur quelque chose qu'on sait faire et aller transférer ces ressources sur quelque chose qu'on ne sait pas faire. On va travailler sur les niveaux logiques pour renforcer l'identité. Alors, on va travailler sur la marelle des croyances. C'est un outil très hypnotique pour se débarrasser d'une croyance limitante. La simple et la double dissociation dont on parle parfois pour se libérer d'une peur ou d'une phobie. On a un travail sur la ligne du temps. On travaille uniquement avec des symboles pour libérer d'une problématique et il y a des effets assez surprenants. Là, c'est carrément pur hypnotique, hein. Tout ça, ce sont des techniques très hypnotiques. La restructuration des histoires de vie, la réempreinte. Je vais partir d'une problématique actuelle, vivre la problématique en imaginaire, ressentir les effets de la problématique sur moi, les ressentis négatifs. En général, là, pour le coup, c'est un ancrage négatif. J'ancre la personne et ce fil conducteur qui est l'émotion négative va me permettre de remonter dans le temps. Donc, il y a une régression en âge pour aller chercher l'expérience de référence en lien avec la problématique actuelle. Où là, je vais apporter des ressources. Je dis à l'enfant, parce que souvent on va au niveau de l'enfance, mais ça peut être avant, à la personne que j'étais à ce moment pour mieux vivre la situation. Et ça, c'est très intéressant. Je ferai des liens avec ce qu'explique Evelyn Joss dans ses formations, notamment sur la reconsolidation de la mémoire. C'est-à-dire qu'on savait avant, enfin, moi je me demandais au départ pourquoi finalement ces techniques fonctionnent et même elles fonctionnent bien. Je vais juste arrêter de partager et je reviens avec vous. Donc pourquoi est-ce que ces techniques fonctionnent? Ben, quand on connaît maintenant avec les neurosciences, avec tout ce qu'on connaît sur le cerveau, avant on pensait que vous avez la mémoire à court terme, la mémoire à long terme. Mémoire à court terme, j'ai un numéro de téléphone, quelqu'un m'appelle, j'oublie le numéro de téléphone, ça s'efface complètement de ma mémoire. J'aime beaucoup la métaphore d'Evelyne quand elle parle je tape un document Word, voilà, je tape, j'écris, mais je tape pas sur enregistrer. Mon ordinateur s'éteint, je perds le document. Bah, c'est un petit peu la mémoire à court terme, la mémoire quand on n'est pas passé par la consolidation de la mémoire. Mémoire à long terme, une fois qu'on est passé dans la consolidation, ça passe dans la mémoire à long terme, ça ne s'efface pas de la même manière. Donc c'est là, après, avec le temps, on sait qu'il y a des élagages et que notre cerveau enlève ce dont on n'a pas besoin. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est que maintenant, on parle de la mémoire de reconsolidation, c'est-à-dire que quand on fait repartir quelqu'un en arrière et qu'on fait revenir un souvenir, et qu'on va apporter des éléments différents dans le souvenir, eh bien, l'inconscient retravaille, la mémoire est retravaillée, et c'est comme si finalement je modifie mon souvenir, et du coup, je vais pouvoir amener des ressources, et c'est ce qui fait que ça fonctionne. Je ne sais pas si je m'explique correctement, on pourra mettre tout à l'heure tout ça. Donc, du coup, en tout cas, ces techniques sont efficaces, et ça s'est prouvé maintenant avec tout ce qu'on connaît sur les neurosciences, je trouve ça très intéressant. Je vais continuer encore quelques minutes en repartageant mon écran. Et puis, je vais peut-être vous montrer la plateforme, comme ça vous verrez ce que c'est. On a des outils donc comme la réempreinte, c'est un peu la même chose en plus poussé. Le core process, c'est une technique qui prend même 2 jours quand on l'apprend en formation, puisque
c'est la transformation essentielle. Ça a été mis par Corinne et Andreas. On règle beaucoup de choses. Là, c'est pareil, c'est très hypnotique. On va aller chercher un état source, on va revenir dans son passé. On va même aller visiter la ligne de temps de notre enfance et de nos parents pour apporter des ressources aux parents. Vous voyez, si ça vous intéresse, achetez le livre La transformation essentielle. Vous verrez, c'est très intéressant. Le swash, c'est une technique tirée de la technique de Rossi avec les mains qui se rapprochent. On appelle ça le jour de paix intérieure. Le swash sur la ligne du temps, ça c'est intéressant. Quand j'ai une croyance qui. Je pense à une patiente avec qui j'ai utilisé ça, quelqu'un qui avait une phobie sociale et qui est revenue. Elle avait largement dépassé, en tout cas, une grande partie de sa phobie sociale, mais finalement, elle était encore restée dans le fait qu'elle avait des problèmes. C'est-à-dire que concrètement, quand elle me parlait, elle me disait ce qu'elle était capable de faire. Elle parlait, au début, quand je l'ai vue, elle faisait une crise de panique dans mon bureau. Et puis, ensuite, quand elle revenait, elle me disait qu'elle avait été capable de parler à sa hiérarchie, qu'elle avait été capable de prendre la parole lors d'un tour de table, etc. Mais c'est comme si elle n'avait pas complètement intégré qu'elle avait vraiment progressé, même si elle le disait, puisque dans son discours, on a toujours l'impression qu'elle était restée, ça fait 50 ans hein, qu'elle vivait avec ça. Et donc, ben ça a été, ça a permis de faire la croyance actuelle, la croyance ancienne, de faire une espèce de technique de Rossi au milieu sur une ligne de temps. Je ne peux pas vous expliquer tout le protocole, ce serait trop long. Ça a permis de passer vraiment à autre chose et de finaliser finalement son accompagnement. Le destructeur de décision, c'est à un moment dans ma vie, j'ai pris une décision et la décision était utile à un moment de ma vie, mais aujourd'hui, par exemple, elle ne l'est plus. Ça peut être à un moment de ma vie, une personne a été déçue, par exemple, dans un couple, et elle a décidé que finalement, elle n'aurait plus, elle serait plus amoureuse ou elle n'aurait plus de relation avec un homme. Et puis, la vie passe et à un moment, bah, elle garde toujours une distance alors que son couple va bien, par exemple. Donc là, c'est intéressant de revenir en arrière et c'est, on va travailler là-dessus. Carré magique, c'est vraiment des techniques pour apporter des ressources. Et puis surtout, ce qui va être intéressant, c'est les choix des protocoles. Donc, je disais protocole, oui, mais avec de la logique, avec de l'adaptabilité, de la flexibilité. Et pour moi, c'est plus des trames et l'explication d'une logique que des protocoles purs et durs. Parce que je trouve que le patient est toujours plus important qu'un protocole. Juste pour revenir sur les niveaux logiques et vous expliquer au niveau des niveaux logiques, vous voyez, les niveaux logiques, c'est une grille de lecture qui a été faite par Robert Diltz, c'est la deuxième génération de la PNL. Et au plus bas des niveaux, vous avez l'environnement. On va dire que l'environnement, c'est tout ce qui n'est pas moi. Et on sait, par exemple, que nos comportements influencent notre environnement. Et que qu'est-ce qui va influencer nos comportements? Eh bien, c'est nos capacités et nos stratégies. Je prends, par exemple, les personnes qui viennent pour la préparation à un oral. On a parfois des préparations mentales pour un oral d'entretien. Et en fait, face à l'environnement, eh bien, imaginons que dans ce cas, l'environnement, l'oral, c'est le prof qui va évaluer. Eh bien, qu'est-ce qui va influencer le prof? Eh bien, l'évaluateur, ce sera le comportement de la personne. Le comportement influence mon environnement. Mais qu'est-ce qui va influencer mon comportement? Eh bien, mes capacités, déjà mes compétences, mais aussi mes stratégies. C'est comment je m'y prends pour présenter, pour parler, etc. Mais qu'est-ce qui va influencer ce comment je m'y prends? Eh bien, c'est mon état interne, mes émotions. Moi, si je suis super bien, mais ça va être plus facile. Par contre, si je suis hyper stressée, eh bien, je vais perdre mes moyens et donc, effectivement, je ne vais plus du tout être dans les mêmes capacités d'influencer mon environnement. Et qu'est-ce qui joue au-dessus de ça? Eh bien, mes croyances et mes valeurs. Si je crois que je suis nulle et que je crois qu'en plus, il est là en face pour me casser, eh bien, ça va être plus difficile d'être dans un état interne positif. Et tout ça, ça va descendre en chaîne. Donc, nos croyances ont un impact direct sur nous et sur notre environnement. Et d'ailleurs, en tant que thérapeute ou en tant qu'accompagnant en général en relation d'aide, ce que je crois de mon patient influence directement mon patient. Ce que je crois de mes capacités vont influencer d'ailleurs mes capacités. Et d'ailleurs, quand on fait le stage PNL et hypnose en présentiel, je fais travailler vraiment là-dessus, sur la posture, parce que du coup, c'est très intéressant, surtout quand on est au début. Il y a encore des gens parfois qui n'osent pas se lancer. Et ça permet vraiment de lever des freins et d'avancer. Au-dessus des croyances, eh bien, on a qui je suis, le rôle que je joue. Et au-dessus, eh bien, on a la vision. C'est le sens que je donne aux choses.
Et vous voyez, en fonction de ce que je vais avoir dans la formation, c'est des questionnements, anamnèse, état présent, état désiré, du score, l'utilisation d'un questionnement précis, de la posture, l'utilisation du VACOG. Et bien, en fonction de ça, je vais choisir. En fonction, je vais me dire à quel endroit ça coince chez la personne finalement. Est-ce que c'est un problème de comportement? Mais là, j'ai des outils pour l'aider à changer un comportement si ça se situe uniquement là. Est-ce que c'est un problème au niveau des capacités et des stratégies? Eh bien, je vais avoir des outils ici pour dire bah, c'est plutôt là qu'il faut agir. Est-ce que ça se passe aussitôt au niveau des états internes? Je vais avoir d'autres outils ici. Est-ce que ça se passe au niveau des croyances et des valeurs? Donc, je vais dire que là, dans ce cas, j'ai peut-être plutôt à aller utiliser ça. Est-ce que ça se passe au niveau de l'identité? Et donc là, j'ai la restructuration des histoires de vie, la structure de décision, voire le core process pour la vision. Donc, l'idée, finalement, c'est d'avoir une grille, un questionnement, une grille de lecture et, entre parenthèses, une boîte à outils qui s'ajoute à ce que vous savez déjà faire et qui sera adaptable pour aller plus là-dedans. Voilà. Après, bon, il y a encore des outils, chemin de vie, niveau logique, bon, c'est un petit peu la même chose, mais l'idée, c'était que vous compreniez plutôt la logique de tout ça. Cette formation, puis après, comme ça, je vais reprendre la parole et on pourra échanger. Cette formation dure 70 heures. Il y a 70 heures de cours, 25 protocoles au total, répartis en 35 heures de vidéos. Vous avez des vidéos de cours théoriques et des vidéos de démonstration que j'ai filmées. Et puis, des visioconférences au rythme d'une heure et demie à peu près par mois pendant 2 ans pour répondre à vos questions. C'est aussi l'occasion d'échanger sur des cas particuliers, sur ce que vous pensez, ce que vous avez utilisé, les questions. Et puis, vous avez accès à tous les webinaires en replay. Et puis, vous avez des supports pédagogiques, bien sûr, à télécharger. Des vidéos complémentaires d'extraits de formation, questions-réponses, et je vais agrémenter comme ça cette formation au fil du temps pour que ce soit encore plus pointu. Voilà, voilà. Voilà pour le cours. Ça, c'est un petit peu ce que vous allez trouver. Je vais donc des documents pédagogiques, mais peut-être que je vais vous partager la plateforme pour voir tout ça. Et puis, vous avez là donc le prochain, si vous êtes intéressé par le distanciel, je vais vous en dire plus. Et sinon, en présentiel, ben, la prochaine formation, c'est le 16 et 17 octobre, donc c'est bientôt, à Paris, à FNH Paris. Et puis, en distanciel, ben, vous pouvez commencer quand vous voulez, puisque la formation, on l'ouvre toute l'année. Il y a déjà 53 personnes qui participent à cette formation. Et donc, l'idée, c'est de rajouter progressivement et de compléter cette formation. Et ce que j'allais vous dire avant, voilà, je vais peut-être... continuer encore un petit peu pour finir sur le prix, puis on échange après, comme ça je réponds à toutes les questions. Ça te va, Olivier, comme ça? Oui, oui. Ok, cette formation, le coût de cette formation, parce que vous allez me poser la question, le coût de cette formation normalement est de 900 euros. Ce qu'on a décidé pour les personnes qui aujourd'hui, donc cette semaine, là, pour les personnes qui décident s'inscrire en présentiel à Paris pour découvrir ce que c'est la PNL, eh bien, on offrira cette formation à 450 euros. Ce qui fait que vous avez à la fois le coût de la formation sur Paris qui est 300 euros comme d'habitude, si vous avez l'habitude de la FNH. Et en plus, si vous vous dites « Ok, je vais aller plus loin », eh bien là, bah, vous aurez la formation à 450 euros, ce qui va vous faire une formation beaucoup moins chère. Voilà. Et puis pour ceux qui veulent uniquement du distanciel, eh bien, et qui ne veulent pas du coup faire du présentiel, eh bien, la formation sera l'offre qu'on a mis finalement en début de lancement, qui sera à 650 euros. Ça reste valable jusqu'au 2 octobre. Voilà ce que je voulais vous dire. Et je vais arrêter pour voilà, répondre à vos questions. Alors... Alors, question, pour l'instant, il n'y en a pas encore. Par contre, comme on a peut-être encore un tout petit peu de temps, tu as moyen de montrer comment est-ce qu'elle est foutue, la plateforme à distance? Oui, tout à fait. Eh ben, ça, je pense que c'est intéressant aussi de voir comment ça fonctionne. Voir comment ça fonctionne, tout à fait. Ça prend 5 minutes, et puis après, s'il y a des questions, on y répondra. Tout à fait. Alors, attends, que je te retrouve et que je partage mon écran. Voilà, je partage mon écran. Normalement, ça devrait marcher. Oui, ça, c'est intéressant de voir comment elle fonctionne. Voilà, c'est bon, tu la vois? Oui, c'est bon, je la vois, ouais. Ok. Alors, la plateforme, elle fonctionne comme ça.
Donc, vous allez avoir donc, le menu au départ. Donc, description de la formation, le centre, etc. Et puis, surtout, à chaque module, donc réparti en trois modules, questionner les outils de premier niveau, les outils de deuxième niveau. À l'intérieur de la formation, vous avez, voyez, PNL, les liens avec l'hypnose, les prérequis de la PNL, les bases, la posture, le score, etc. Et à chaque fois, vous avez une vidéo. Vous avez à chaque fois à télécharger un PDF à télécharger sur le cours. Et là, j'ai fait une erreur, je n'aurais pas dû faire ça. Alors, du coup, je vais arrêter de partager parce que je n'ai plus accès. Hop, et je reviens. Voilà. Touk. Voilà. Donc là, normalement, c'est bon, vous revoyez à nouveau. Et vous avez des QCM pour répondre à des questions. Les dates des webinaires qui sont déjà posées bien à l'avance pour que vous puissiez vous organiser, les replays des webinaires qui ont déjà eu lieu, que vous pouvez voir au fur et à mesure. Voilà, vous avez tout ce qu'il faut. Et si je vous montre, par exemple, vous montrer un petit peu comment c'est filmé, l'intérêt des indicateurs, par exemple, pour définir un objectif, c'est filmé comme ça, c'est-à-dire que je vous le mets en route, hop. C'est un PowerPoint sur lequel j'ai filmé directement. Donc, voilà. Donc globalement, vous avez. Voilà, c'est assez bien fichu. Les gens apprécient beaucoup parce que c'est clair, c'est précis. Et en plus, tout ce que je dis, vous l'avez aussi en diapo et en sous autre forme. Donc, c'est quand même assez complet. Puis, vous avez bien sûr des démos. Alors là, bien sûr, comme c'est que du questionnement, à moins que là. Hop là. Attendez. En fait, ce qui est important, c'est que pour chaque protocole, donc on vous a dit 25 protocoles, je crois, pour chaque protocole, vous avez une vidéo d'explication, une vidéo de démonstration, plus tous les fichiers PDF pour pouvoir travailler la théorie par vous-même. Donc, c'est vraiment super complet. Voilà. Ceux qui ont déjà pris cette formation sont super contents. J'ai des super chouettes retours. Voilà. Et là, bon, vous avez des démos. Toutes les démos sont filmées pour. Et puis, je vais rajouter aussi des démos en live. Il y a des démos de formation. Il y a des démos filmées pour cette formation, vraiment, hein, pour que ce soit adapté. Voilà un petit peu comment c'est fichu. Et c'est vrai que ça marche bien. Question. Je suis hypno. Est-ce que la formation sur 2 jours est suffisante ou bien est nécessaire de suivre? Alors, la formation sur 2 jours, ça dépend ce que tu veux faire. La formation sur 2 jours, elle donne déjà une idée et on va voir à peu près 4 protocoles. Là, dans la formation, alors elle est intéressante, je dirais, pour découvrir. Et comme je le disais, souvent, les gens ont envie d'aller plus loin. Donc, ça dépend ce que tu vises. Pour découvrir, je trouve ça très bien. Pour aller plus loin, effectivement, là, dans la formation en ligne, il y a 25 protocoles. Donc, c'est différent. Par contre, ce n'est pas du présentiel. C'est différent. Et maintenant, les films, si tu es déjà expérimenté en tant qu'hypno, elles sont assez détaillées. J'explique bien les protocoles. Tu peux tout à fait reproduire en cabinet. Y aura-t-il une formation PNL et hypnose à Toulouse, Olivier? Cette année, non, c'est complet. Par contre, fin 2022, peut-être. Et donc, après, il y a une question qui revient à propos du CPF. Donc, en fait, au CPF, il n'y a rien qui est éligible au niveau de l'hypnose. La seule chose qui est éligible pour la PNL, c'est la formation longue en présentiel, c'est ça, mais la formation de 50 jours. Ah oui, la formation, ce qui est éligible au CPF, c'est la formation PNL. Et il faut faire à partir du niveau praticien, c'est-à-dire qu'il faut avoir fait minimum 20 jours. Et ça ne vous donne pas tous ces outils, ça vous en donne une seule partie. Pour avoir tous ces outils, il y a aussi d'autres choses dans la formation PNL, hein. Mais pour avoir tous ces outils, il faut faire la formation sur 50 jours, en fait. Et là, c'est éligible au CPF, oui. Alors, j'avoue que les formations en distance, j'en ai assez. Le présentiel est enrichissant. Est-ce que ça pourra se passer à Bordeaux? Je ne sais pas, Olivier, il découvre. Ouais, sur Bordeaux, on démarre tout juste. Donc, il y aura peut-être Toulouse fin 2022 et Bordeaux pas avant fin 2023 si on continue sur Bordeaux. Ouais. Alors, moi, je trouve que le top du top, alors je suis d'accord que les formations en distanciel, on a envie de présentiel hein, aussi. Il y a un avantage et des inconvénients partout. C'est vrai que le présentiel, on va échanger, on va pratiquer. Là, ce qui est intéressant dans le distanciel, c'est que c'est à votre rythme. Et puis surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'on a quand même des webinaires. Et les webinaires, ça va permettre vraiment d'échanger. Là, bien sûr, on échange en direct, hein, ce n'est pas que du chat. Et vraiment, on peut échanger sur les pratiques. Alors, c'est vrai, il y a avantages et inconvénients.
Après, si tu veux du présentiel complet, eh bien, faut venir me voir à Annecy, ce sera un grand plaisir. Puis on va apprendre à se connaître parce que 50 jours, on a le temps de se connaître. Voilà. Merci, Tania Olivier. Ben, merci à vous. D'autres choses? Est-ce qu'il y a d'autres questions par rapport à tout ça? Je n'ai Formation. pas répondu à un nouveau message qui apparaît. Ouais. Super Intensi, oui. Voilà. Super idée. Merci. Voilà. Et donc, à Annecy aussi, on va faire une formation hypnose et PNL en janvier 2022, là. Ce que je vais faire peut-être, c'est vous mettre dans le chat, si j'y arrive. Hein, parce que voilà, ça, c'est pas bon. Excusez-moi, j'essaie de retrouver mon truc pour Pour mettre ceux le qui lien. veulent se mettre l'eau à la bouche, il y a 2 jours en présentiel à Paris, 16-17 octobre, et 2 jours en présentiel à Annecy. Ça sera la même chose, mais c'est répété à plusieurs endroits en janvier, c'est ça? Ouais, tout à fait. Ouais. En janvier 2022, j'avoue que je n'ai pas les dates tout de suite en tête, mais vous pouvez aller sur notre site et vous verrez. Là, je vous ai mis le lien C'est sur la vraiment formation en ligne pour ceux qui veulent s'inscrire directement. Et puis, je pense qu'Olivier, bah, la FNH, vous connaissez le lien. Si vous tapez AFNH Hypnose, vous tombez sur le site d'Olivier, hein, AFNH. Et pour le mien, bah, si vous tapez Réa Active ou AFNH Annecy, vous tombez sur le site d'Annecy où vous avez PNL et hypnose. Voilà. Voilà. Alors, je suis en train de regarder moi pendant ce temps-là, si j'ai les dates. Donc, Hypnose et PNL, Annecy, c'est 22-23 janvier. Voilà, merci. Donc, 16-17 octobre, Paris, et 22-23 janvier, Annecy. Oui, alors on posait la question aussi pour le FIFPL. Hein. Oui, le FIFPL, ça peut passer. Par contre, le CPF, non, sauf en présentiel. Et sachez qu'il y a quand même peu de formations en PNL qui sont accessibles au CPF. Il y en a très peu. Celle-ci, elle est accessible parce qu'elle fait partie d'un cursus coach professionnel, parce que c'est une formation qui donne un titre professionnel. C'est pour ça qu'elle est accessible. Voilà. OK. D'autres choses, peut-être? Ben, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a intéressé. Alors, l'idée, là, c'était vraiment de présenter globalement tout ceci. Et puis, je pense qu'on refera, je referai des webinaires pour donner de temps en temps un petit outil PNL, histoire de vous donner un peu idée de ce que ça peut être pour ceux qui sont tentés et qui hésiteraient encore un peu. Voilà. Une question là pour être certifié, y a-t-il un mémoire en fin de formation à écrire? Pour être certifié, est-ce que c'est pour être, alors, pour être certifié en PNL? Pour le praticien, il n'y a pas de mémoire. Quand on est en présentiel, il n'y a pas de mémoire. Par contre, il y a de la pratique qui est analysée. Pour le maître praticien PNL, quand on fait les 50 jours, là, il y a un travail écrit, il y a une modélisation d'une personne, il y a plusieurs exercices et ça se fait sur 3 jours. Et pour le distanciel, eh bien, vous avez une attestation de formation, il n'y a pas d'écrit à fournir. Simplement, on vérifie que vous avez bien passé assez de temps sur la plateforme et que vous participiez au webinaire pour vous donner une certification, voilà, que vous avez vraiment travaillé, mais ce n'est pas une certification maître praticien. Alors, maître praticien, oui, c'est une formation, c'est certifiant et c'est 3 jours, c'est assez pointu hein, comme formation. Voilà. Bon, bah Ok, je parfait. crois qu'on a à peu près fait le tour des questions. Bon, bah super. Il reste encore 1 minute ou 2 s'il y a d'autres questions. Je vois qu'il y a encore 19 participants. S'il y a 1 ou 2 questions, on prend. Et puis bah, après, on va dire Ouais, très au bien. revoir Parfait. Bah de rien, on me dit merci, de rien, c'est tout le avec monde. plaisir. C'est avec plaisir. Merci. Ok. Ok, bah, écoute, je pense qu'on a fait le tour. On va Ouais. pouvoir dire au revoir à tout le monde alors. Eh bien, écoutez, je vous remercie d'avoir participé. Merci à toi, Olivier, hein, d'être présent ce Oui. soir. Et puis, ben, j'espère que ça vous a intéressé, puis ouvert des possibilités. Et on se retrouve certainement ou sur Annecy, ou sur Paris, ou sur d'autres formations. Voilà. Et voilà, ça a aperçu tout ce qui est possible, c'est sympa. OK. Ouais. Merci, Merci. Olivier. À Au plus revoir à tard. tous. Bye bye. Ciao. Bye bye. Bye.